Souvenirs séparés. Attaquer le dragon et entrer dans la cour avec le mercure. What? Qu'est-ce que tu racontes? Un power up, on va pas pouvoir s'en acheter. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Des gens cassent la table parce que nous a gêné. Voilà, toi aussi. Faites tout. On va aller voir ici d'abord. Oh putain, il m'a fait peur. Ok. Une porte avec le bâton d'Hermès. Voilà, je te pète ta chaise. Voilà, qu'est-ce qui se passe encore? Ok. Évidemment, évidemment. Voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non, je t'aime pas toi. Je t'aime pas, voilà, je t'aime pas. Il y en a deux. Super, de mieux en mieux. Vous êtes des bâtards. Ah non! J'ai été... Oh shit! Bam! Coup de poing dans ton visage! Oh, merci pour la life. Ça fait du bien. Up. Bah alors. Je sais pas trop où je vais là. Là il y a une porte. Il y a une masse ennemie qui ont apparu. Je les ai entendus. Ah. Faites chier. Nouvelle vie. Tiens. Et ouais mon gars, il est pris pour qui? C'est une porte ça? Non. Ah, et là il y a une porte. Putain, il y a des portes partout ici. Ouh. Oh, trop bizarre. Trop bizarre. Attendez. Impossible d'ouvrir la porte, il y a un trou circulaire au milieu. Montre la gemme avec la lune. Super. Merci pour l'aller-retour. Ok, donc une pièce très bizarre, genre miroir déformé. Ah, j'aime pas du tout. Oula. What? Un étrange pouvoir m'empêche d'avancer. Il faut que je trouve un moyen de battre le dragon. Un message est inscrit. Le gardien du chemin, le dragon de Pluton, prouve ton courage avec ton épée. Le dragon sera consumé par sa propre flamme. Est-ce qu'il faut que je lui renvoie son épée, sa boule de feu? Ah, oh, ça va être ça, ça me casse les couilles. C'est pour ça que ça fait si peu de dégâts en fait. Allez, vas-y. Et voilà! Ah putain, faut que j'en renvoie plusieurs. Shit. Ah!
Et ouais mon gars. Mais oh. Ah, histoire de miroir. Bon, on va reprendre nos armes fétiches. Puisque Ifrit, c'est quand même le pied. Enfin, les poings plutôt. Bon, et ça, du coup. Bim bam boum. La gemme de la lune. Allez hop. Ok, bon, maintenant faut y aller. Ça va être une autre paire de manches. Hé hé hé. Eh oui, parce qu'on est malin. Alors donc il y a des éclairs, hein. Sinon il serait pas arrivé. Boule de mer... Ah, mercure. Boule de cristal remplie de mercure. Mercure a des pouvoirs lunaires qui permettent d'ouvrir les portes scellées. Let's go. On va se faire attaquer dans tous les sens, mais... Parce qu'en général, quand on récupère ce genre d'objet, on se fait péter la tête. J'essaye de pas trop dire gueule, parce que des fois... Voilà. Donc la tête, la tronche, le visage, la face. Ouais, bon, je vous ignore, j'en ai marre. Pousse-toi. Vous me faites chier, vous me faites chier, vous me faites chier. Allez. C'est amoureux, toi. Oh là, on est où là? Putain, mais encore toi, mais... J'en ai trop marre de sa gueule, allez. A man with guts and honor. I like that. But it's a shame you serve Mundus. Le mec, c'est un Power Rangers. Ah. Bonjour, j'ai un visage maintenant. Cool. Ok, alors, arme. Pistolet. Ah non, non, je viens pas, moi je suis bien là. Holy shit. Wow. On va tester ça. Ça et on va prendre ça. Bon, on cheese un peu. Oh putain, on l'a un peu cheese, j'avoue. Mais là, il me... Ah, j'avais pas envie de tout refaire. Franchement, j'avais pas envie de tout refaire. C'est bon, t'es dead cette fois ou pas? Comment ça se passe? J'espère que c'était pas juste une phase, en fait. Ah. Une crotte. Hein? Sérieux? C'est le même pendentif que Dante. Yes. Trish, Virgil has been defeated.
Virgil, son frère. Oups. Yes, master. Putain, la garce. Oh la pute. La catin. Bon, ça s'est bien passé. On a un peu fait le sournois, mais ça s'est bien passé.